Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Bienvenue dans le Téléjournal Lanso, Télévision Nationale d'Haïti. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça pour Assoya. Premier ministre Jean-Henri Séan a rencontré plusieurs acteurs dans le système judiciaire. Dans le cadre d'une visite, il fait lundi 4 février dans le palais de justice Port-au-Prince. Dans la même journée, chef gouvernement Chita Palé et membre conseil électoral provisoire dans le local KEPA dans la perspective élection octobre 2019. Bureau monétisation programme aide et développement BMPAD dans tête collée avec direction départementale nord-est travaux publics et puis ministère défense lancé travail construction tronçon route Montbin Crochu Valierlan. Travail ça cap durer 6 mois rentré dans cadre caravane changement. Travail construction barrage Marion a continué. Une délégation qui gagne là-dedans, le directeur général plusieurs institutions visité construction barrage là pour garder état avancement travail. Agence nationale air protégée lancée lundi 4 février dans Pétionville, une semaine atelier réflexion pour renforcer capacité institution et puis monter une série plan stratégique sous ensemble action à Nabdoué posé pendant 5 prochaines années. Un groupe député qui sortit dans le département centre, Chita Palé, ministre travaux publics, transport et communication, directeur général électricité d'Haïti, et puis directeur agence nationale régulation secteur énergie. Diminution de l'eau dans le lac qui alimentait barrage Péliglan à la cause problème production courante d'après ministre travaux publics, transport et communication, Fritz Kayo. Et puis, dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, bureau enquête britannique sous accident aérien, joint dimanche 3 février, avion qui a transporté footballeur argentin Emiliano Sala et pilote li David Hibbotson qui a disparu dans le système radar 21 janvier qui saute passé. Amis téléspectateurs, nous avons invité à rester branchés, nous avons retourné tout de suite avec Point Sayo et puis en pilote information dans le téléjournal. Là. Pièces de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc chine top tête chat saillot encore. Mais. Pas gué, mais c'est ça le caoutchouc qui sortit dans top ta pour mettre en bas votre machine ou. Ou à venir de tous côtés pour les caposer.
Ok. Pas oublier, Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Wout, Kouchiklou. Ah, Gonji Boulmbajou. Vendez-moi 4 caoutchoucs, Tom. De quel gros cher vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Wout, Kouchiklou. Une fois encore, on a salué et remercié tout le monde qui branchait Téléjournal Lens ou Télévision Nationale d'Haïti. N'a souhaité nous tous une très bonne semaine ensemble avec nous. N'a démarré tout de suite avec information et comme d'habitude, c'est en page météorologique là. Assoya, c'est avec collaboratrice nous, Nicole François, c'est l'homme qui prend le poté pour nous toute information concernant toi. Bonsoir Nicole. Bonsoir tout le monde, moi content de retrouver nous aujourd'hui pour bulletin météo qui j'en condition hier nous pour aller connaître sous base avec différentes images nous pour nous qui j'entends les comporter sous pays d'Haïti et sous région Caraïbes. Guillaume Masdia qui est assez humide qui est installé au niveau bassin Caraïbes. Donc quand nous parlons assez humide, c'est pas un Masdia qui est très très humide mais quand même il y a quelques bulles d'humidité qui retournent au niveau Masdia ça. Et qui pourra le combiner avec ça que nous relais cycle d'huile, donc échauffement journée, hein, qui pourra déboucher sur quelques activités la pluie sous département. Yo. Pour aujourd'hui, un département qui est plus ciblé pour recevoir la pluie isolée, c'est au niveau la Grandesse, Sud-Est, le plateau central et également zone nord-ouest. Hein. Donc toute zone nord, il y a une chance pour trouver une activité la pluie légère avec quelques coups de l'orage pour assoyer. Port-au-Prince avec les gens qui sont sous côté lieu, c'est un très beau ciel aujourd'hui à nous gagner. Après-midi, un nuage va continuer à développer pour déboucher quand même sous la veste la pluie isolée au niveau capital. La température maximale a été montée jusqu'à 32, minimale la pluie était à 20. Donc, nous avons une chance pour dormir avec une température qui est assez agréable à soyons au niveau Port-au-Prince. Et il y a un risque quand même pour une veste déjà, j'en nous dis, au niveau capital pour assoyer. Dans la page maritime, au niveau côte nord, côte sud pays, la vague est assez haut jusqu'à 5 pieds. Nous demandons capitaine yo pour yo très prudent les naviguer au niveau de côte sa yo pour aujourd'hui hein? Mais pour golfe de la Gonave pas gain trop souci capitaine yo ka naviguer librement et dans page astronomique là pour nous finir le soleil approche sous Port-au-Prince jeudi à c'est 5h43 pour le lever demain matin à 6h22 minutes. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous pour information météo. Merci en pile pour attention nous, bonne fin d'après-midi, bonne soirée et à demain.
Merci Nicole. Nous sommes dit dans un grand sitio, Premier ministre Jean-Henri Séan, qui était gain ensemble avec lui, ministre Justice et Sécurité publique, là, maître Jean-Roudy Ali, et puis divers cadres dans le gouvernement. Visité lundi 4 février en Palais de Justice, Port-au-Prince. Visite si la rentrée dans le cadre accompagnement et support, gouvernement dit la continuer bail avec l'institution. Nous avons invité nous suivre un reportage ensemble avec Lunel Jean-Louis et puis Hervé Pierre. Renforcer l'institution, bail au moyen nécessaire pour continuer bail population en bon service. C'est l'objectif de diverses visites du Premier ministre Jean-Henri Séan à travers plusieurs institutions, tant que ça le fait aujourd'hui dans le Palais de Justice Port-au-Prince. Pour lundi 4 février 2019, le Premier ministre Jean-Henri Séan, qui était avec le ministre de Justice et Sécurité publique, Jean-Roudy Ali, et puis plusieurs cadres dans le gouvernement, visitaient le Palais de Justice. Il y a une manière pour fournir et garder la qualité de service dans la juridiction. Comme première visite, c'est l'âme de deviner. De deviner, oui, avocat, venir voir comment la situation est, parce que je connais depuis le. Moi-même, j'ai quitté Baroua, je connais dans quelle situation elle était. Même très heureux aujourd'hui à l'homme paraître. Moi, ouais, médecin qui fait là, malgré les maigres moyens, et vraiment, j'étais agréablement choqué. Là, moi, entré, j'ai visité Baroua, j'ai visité le tribunal de première instance, j'ai visité le cours d'appel là. C'est vrai que y a un peu de bail qui vous fait, mais je pense que la situation était pire que l'homme là pour Samuel là. Donc, c'est autant dire que. La primature, le ministère de la Justice, même si c'est un domaine qui est réservé à CSPJ, nous pourrons mettre tous les moyens nécessaires pour que nous avons un tribunal qui est digne de tribunal de partout dans le monde. La justice, c'est lui-même qui est l'étendard, c'est l'image première, c'est la justice qui témoigne, qui faut qu'on ait, qui paye ou qui n'a pas. Par rapport au problème de détention préventive prolongée, le Premier ministre Jean-Henri Séan, pour mettre pour bail juge plus moyen, ça qui peut permettre justice à bio de jouer plus de services. Son pouvoir qui vient par support à un autre pouvoir. Donc, je ne peux pas entrer dans la question de la justice. Cependant, je peux encourager que tout ça soit fait, que les assises criminelles soient faites, parce que nous avons quand même une communauté carcérale qui est exagérée. Il faut que la détention préventive, il faut que nous travaillions sous lui. Et tribunal et prison, il faut que nous dégagions. Parce que faut que nous vivions tant que nous dans la prison. Tout. Donc, mais c'est pour ça que je m'encourage ça. Et moi, j'ai un effort qu'on a fait au niveau de tribunal là, encouragé par le jeune doyen et bâtonnier de l'ordre des avocats. Moi, je vous dis à la Sénat, bien gardé, ou après une équipe qui décidait de prendre la justice en main. Donc pourquoi et l'exécutif pas lui-même encouragé par camper derrière eux? Pourquoi le CSPJ pas camper derrière eux? Parce que moi, je crois que c'est force ça, conjugué, qui a permis que nous ayons une justice qui est digne de cette justice que nous tous avons cherché. Dans ce sens, le Premier ministre s'ayant déclaré l'État haïtien a continué à accompagner la population dans la bataille qu'il a menée pour une lumière faite sur l'agent fonds pétro-caribéa. Nous n'avons pas arrêté inactif le nom gagné, rapport là qui baille des indications très claires que nous-mêmes avons cherché depuis quelque temps. Nous connaissons comment nous sommes actifs, comment nous avons cours supérieur des comptes plusieurs fois. Nous avons cherché justement côté pour nous diligenter toute la ça. Eh bien, je dis, l'État haïtien, entrer dans la question, l'État haïtien pour des plaintes, je dis. Donc, on va gagner information un petit peu plus tard, mais l'État haïtien porte plainte par devant le parquet pour monde qui est indexé et l'État haïtien pour continuer à accompagner la justice, accompagner le Sénat, accompagner tout le monde qui voulait joindre comme Petro-Caribéa, nous pas chercher le tout, même Jacques tout le monde, parce que l'État a été la première victime dans cette affaire. Donc, l'État haïtien a toujours campé beaucoup de monde qui a cherché comme Petro-Caribéa, a campé beaucoup de Petro-Challenger, a campé beaucoup de citoyens, parce qu'il n'est pas normal que ça passe et puis nous quitter le passé. C'était l'occasion pour le Premier ministre Jean-Henri Séan parler avec chef paquet Port-au-Prince, pour les 11 villards, et puis bâtonner l'ordre d'avocat Port-au-Prince, Stanley Gaston, sous divers problèmes qui gagnent dans l'appareil justice là. Merci Lunel et Hervé. Nous sommes parlé de ça dans Grand City Auto. Il y a une délégation qui est là dans le directeur général ministère agriculture, Eugène, directeur général d'INEPA, Guito Edouard, et puis directrice générale ministère environnement, Yolette Nicole Altidor. Visité samedi 2 février en localité Marion, section communale Grand Bassin, dans la commune Terrier Rouge. Objectif visite là, c'est pour garder dans qui point travail barrage Marion yo avancé. N'a invité nous suivre un reportage avec Richardson Jourdan
et puis PAMS Jean-Baptiste. Gardez l'état avancement travail barrage Marion et puis ouais ensemble comment on doit impliquer davantage dans cadre travail. C'est principal objectif visite directeur général ministère agriculture Brandi Eugène, directeur général d'INEPA Guito Edouard, ak directrice générale ministère environnement Yolette Nicole Altidor dans Marion samedi 2 février. Une visite venue après passage représentant trois institutions d'État ça yo dans pays Cuba. Il y a l'autre site que nous n'avons envisagé pour nous capable construire autre barrage à part de Marion. Alors il était demandé que nous t'al déplacer parce que les Cubains qui travaillent ensemble avec nous là, il était demandé pour que nous te déplacer à l'site avec spécialistes là-bas qui eux-mêmes construit à peu près 230 barrages déjà. Le fait qu'ils travaillent avec nous là pour nous capable commencer lancer études pour l'autre site dans pays là. Après visite ça, nous avons trouvé le nécessaire pour que toute équipe ait été déplacée pour venir travailler avec Marion, parce que nous sommes très 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 avancés Marion. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, quoi est important pour d'INEPA, bah écoute même pas dans le cadre de travail ça, qui pourra être utile population. Nous là pour nous ouais ça qu'a fait là et Cuba montrer nous que l'expérience que nous avons dans le domaine là est très significatif parce que les construction barrage Cuba que moi-même, vous connaissez même passé des années à étudier Cuba, eh bien, ils ont construit barrage là pour la génération, en fait, pour la génération électrique et pour produire de l'eau pour irrigation et pour prendre une partie dans de l'eau là pour alimenter la population. Et puis, pour information nous toutes qui là, Cuba, 67% de l'eau que le peuple cubain a consommé, il sortit à partir de construction barrage. C'est 33% qui sortit à partir des eaux souterraines. C'est une belle expérience et nous avons implication chaque entité ministérielle. Travail bassin Vincent yo dans espace côté barrage Marion après réalisé a ses priorités sa directrice générale ministère environnement Yolette Nicolas Altidor bay ministère. Nous déjà gardé toute entité en dans ministère environnement qui pour mobiliser, qui pour impliquer pour nous jouer chaque jouer partition par eux de telle sorte que nous accompagner processus là, nous accompagner tout l'autre ministère qui est dans l'état yo, toute entité yo pour que barrage ça li son réalité et le barrage ça a construit li respecter vraiment les normes environnementales. Responsable ministère agriculture et environnement et puis dîné pas terrain yo dans pays Cuba pour tal enrichir connaissance sous façon barrage fait dans pays ça. Il a annoncé la construction de barrages dans différents départements en d'un pays. Merci Richardson et PEMS. Nous avons prêté sous même lancé ça pour nous faire qu'on ait une série de travail pour construire route dans différents quartiers dans la ville Jérémie a continué. Travail ça qui rentre dans le cadre caravane changement visait construire route en béton avec asphalte pour améliorer conditions circulation dans la région. N'a invité nous suivre un reportage. Villa Saint-Louis, rue Bois-Antonier, rue Caménol, ak rue Bourette, c'est quelques parmi plusieurs chantiers qui achevé dans ville Jérémie, dans quatre caravanes changement. Population dans zone ça, te gen en pile difficulté, les la pli tombé, ça te kon empêché circulation moun, machine ak motocyclette. N'a rappelé, équipe départementale Grand Danse Travaux Publics cap opéré caravane changement, gen chantier qui commencé dans zone Gragra Moura, route nationale numéro 2 qui menait dans route aviation ak Mon Kaous dans Karakoli. Plusieurs kilomètres route déjà construit dans quatre caravane changement. Et puis travail construction tronçon route Mon Bain Crochu ak Valière l'an lancé. C'est Bureau Monétisation Programme Aide à Développement, en tête collée avec Direction Départementale Nord-Est Travaux Publics et puis Ministère Défense qui fait lancement travail vendredi 1er février. Construction route ça a duré 6 mois, rentrée dans le cadre caravane changement. On suit. Construction route Mon Bain Crochu passée par Valière Caris pour arriver Bois de Laurence à mesurer 19 km. C'est Bureau Monétisation, Programme Aide et Développement, BMPAD, dans le cadre de collaboration avec Direction Départementale Nord-Est, Travaux Publics, Ministère Défense, qui a réalisé le travail ça, qui a duré 6 mois. Directeur général BMPAD, Ignace Saint-Fleur, expliquait construction tronçon route ça, entre dans le cadre de promesse campagne, président de la République, là, Jovenel Moïse. C'est une opération président lancée pour désenclaver au Nord-Est. Le pouce au Timon Bekochou pour aller Valière, qui est chef lieu d'arrondissement, faut courir toute la victoire, puis on s'en va à Yeldo, donc à Foumé, à Foulamor,
faut rentrer quatre semaines pour faire limonade tout du nord terrier rouge pour tomber grand bassin pour aller au pêche pour monter mon pour le valier. On va laisser là derrière mon là 19 km. Na remercier président Jovenel Moïse qui mettait ensemble une task force qui vient là donner ministère de la défense, ministère des Travaux publics, transport et communication et BMPAD pour permettre que nous réalisions grand rêve qui pas jamais fait depuis 1804. Directeur départemental Travaux publics Nord-Est a déclaré toute disposition déjà prend pour lancer travail yo. Techniquement route mon beco chevalier c'est 19 km. Nous pouvons voir pour nous faire en terre battue d'abord. Et président te dit n'a fait en terre battue d'abord mais faut que la asphalté et faut bien fait. Président acheté matériel, li équipé tout directeur départemental yo, c'est pour directeur départemental yo yo mettre tout matériel ça au service population. Sénateur Nord-Est la Ronald Larèche avec député Valier Carisla Jean-Bastien Bétol remercie président républicain Jovenel Moïse qui pensait à construction route ça dans cadre caravane changement. Pendant campagne, tout sénateur te son nécessité pour nous te désenclaver Nord-Est. Jodi a la, nous souhaité que militaires qui là, nous nous mettons cochons, accueillons. Nous avons délai de 6 mois pour nous faire travail. C'est pour nous faire travail. Nous parlons de route qui sorti Valière, vin Montbé vin Valière, sorti Montbé à l'Ecoros, sorti Valière à l'Ecoscos, sorti Bois de l'Ouest à l'Sylvestre Lagomite. Toute zone n'a pas désenclavé. Population, arrondissement Valière, jodi a, c'est tout pas nous. Mombe Kochi gagne une population 42 000 moun. Principale production ville ça, c'est maïs, pois, mango. Des enclavés au nord-est là, pour faciliter plus développement dans 13 communes dans le département ça. Merci Sainte-Croix-Paki ak Hervé Pierre. Sous 8 firmes construction qui t'est présenté proposition projet construction palais national, gagne 4 noyo qui répondent à critères. Ces déclarations coordonnateur groupe travail à réflexion sous construction palais national là, Clément Bélizer. D'après ingénieur Bélizer qui expliquait dans 4 firmes construction sa yo, gagnon cap sélectionné pour faire construction nouveau palais. On suit. 100% de firmes c'est firmes ici. Et condition que nous débaille depuis l'an avia manifestation d'appel et appel à manifestation d'intérêt, c'est que ces firmes haïtiennes qui vont participer et international, yo capable de participer à une seule condition. À condition que yo un groupement avec une firme haïtienne et l'engroupement ça fait firme haïtienne chef de file. Nous défait pose première pierre, concours a été lancé, qu'il y a concours arrivé dans le jugement. Donc yo pral juger proposition qui fait yo nous dans à peu près 8 semaines encore nous pral gagner on gagner et n'a connait à qui ça parler après ensemble. Entre-temps capable dit nous au point de vue budget d'exécution, il y a des provisions qui sont faites dans le budget 2018-2019 pour démarrer le chantier et des provisions qui sont faites dans tout exercice qui se suivent, etc. 4 firmes qui sont sélectionnées, elles pourront raffiner le travail, pour préciser plus d'éléments, parce que là, c'est des pré-esquisses que nous avons. C'est-à-dire pour qui ça ressemble, par rapport à nord-est, orientation par rapport avec notre bâtiment, mais ou pas Kaboué, qui côté bureau président, bureau secrétaire général, le programme n'est besoin pas détaillé à ce niveau-là. Nous continuons avec l'information pour nous faire connaître Jean Tédil dans le grand titre tout. Agence nationale Air Protégé, ANAP, lancé lundi 4 février, un atelier réflexion dans l'idée pour renforcer capacité institution. Activité SILA réunit cadres dans ANAP à diverses organisations qui travaillent dans le domaine protection environnement. Rodney d'Orléans et Mathilde Debelchéry a présenté nous un compte rendu. Participants dans le cadre d'activité ça a bien pour discuter et puis valider ensemble travail qui déjà commencé pour structurer l'agence là. Pendant qu'il a organisé espace qui déjà déclaré zone protégée. Depuis mon accession à l'ANAP, en tant que directeur général en mai 2017, j'ai toujours rêvé du renforcement de cette institution en lui dotant des moyens de fonctionnement
pour accomplir sa mission. La NAP n'entend pas travailler de manière isolée. La protection de la biodiversité et la gestion du système national des aires protégées SNAP sont l'œuvre d'un grand conduit d'acteurs ou des parties prenantes, particulièrement les GETAP, groupes techniques d'appui aux aires protégées. Dans le cadre de collaboration ministère environnement avec divers partenaires techniques et financiers, l'agence a déjà fait plusieurs réalisations tant que premier plan pour protéger quelques zones terrestres, réalisation études de base pour protéger zones maritimes, pour ne citer ça ou seulement. Au cours des 10 dernières années de collaboration entre le ministère de l'Environnement, la NAP et les partenaires techniques et financiers, nous avons pu atteindre les résultats suivants. La réalisation du premier plan de gestion d'une aire protégée en Haïti, celui de Macaya, qui sert aujourd'hui de référence méthodologique pour l'élaboration d'autres plans de gestion. La réalisation des études de base pour le premier plan de gestion d'une aire marine protégée, qui est celui des trois baies. L'élaboration d'une charte de gouvernance participative pour le parc de Macaya, qui vous sera présentée plus tard dans la semaine. Et la mise en œuvre de nombreuses activités communautaires dans les zones tampons du parc Macaya, visant la réduction des pressions sur les zones cœur du parc. Mais ces 10 années de collaboration nous ont aussi permis d'identifier des leçons apprises que nous devons aujourd'hui prendre en considération pour améliorer les futures approches, aussi bien pour l'élaboration de nouveaux projets que pour la mise en œuvre des projets déjà en cours. N'a pas rappelé, c'est dans l'année 2010 Haïti signé et puis ratifié convention sous biodiversité à PIA, dans le moment ratification, prend engagement pour protéger 17% zone terrestre et 10% zone maritime. Merci Rodney et Mathilde. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Restez branchés, nous retournons tout de suite. Journée en pas de facile. Où tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine là. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça. Moi wel. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pitonon. Nèg brave ça au jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide, solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobil E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour ce travail dur, je pense que nous allons chez Beltikai, ça oui. Beltikai, nous allons à l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on est ici, un gros problème. C'est notre quoi pour être là? Pas courir dit ça. On peut parler à qui ici. Et ici a besoin de planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. Et ici qui est flexi cash, lui aide au fait économie pour qu'a joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner et optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous porter solution pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que mon problème final acheter comme ça? C'est pas ça nous a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continué take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC nous porter solution pour tout assurer. AIC prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. Nous tendez ça au mandé.
et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data et minute. C'est celle d'Issel qui va rollover illimité sur data et minute. En écran, nous voulons prendre gros loa avant de l'expirer et puis qu'il met tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein de gros par là. Digicel. Oh! Merci parce que nous avons toujours été branchés. Téléjournal lance sur Télévision Nationale d'Haïti. Information yo à bras poursuivre ensemble avec Premier ministre Jean Rissean qui visitait lundi 4 février. Conseil électoral provisoire, objectif visite là, c'est pour Chita Palais avec président KEPA sous besoin institution électorale là dans cadre organisation élection yo. Chef gouvernement expliqué les recevoir instruction dans mes président République là pour faire tout ça possible pour respecter date constitution en prévoit pour réaliser prochaine élection yo. On suit un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Jean Fleury. Nous parlons de mon rythme, nous parlons de mon chronogramme de présence ici, hein, parce que nous sommes dans la dynamique électorale. Donc, nous parlons très souvent, venir dans le CEP, c'est un engagement que je prends dans la déclaration de politique générale. C'est un engagement que le président est bon moins tout. Et c'est faire élection en 2019 pour l'élection législative et l'autre élection qui est pour faire en 2019, en octobre, dans le délai la loi prévoit. Donc c'est pour ça, nous avons mis des bouchées doubles pour nous rencontrer CEPA, dégager, garder des problèmes qui gagnent, jouer une solution, travailler sur eux et aller de l'avant pour que nous arrivions dans l'élection dans le délai que nous avons prévu. Nous avons continué ensemble avec l'Observatoire Société Civile sous Finances Publiques qui fixait position lundi 4 février sous décision Chambre députée pour tourner projet budget 2018-2019 l'an by gouvernement. Dans le cas d'intervention, le coordonnateur observatoire Société Civile sous Finances Publiques l'an, Francisco Jovin, expliquait budget rectificatif gouvernement a appliqué, hein, pas répondre du tout à sa population hein, qui a besoin. Le coordonnateur a recommandé autorité dans l'exécutif et législatif l'an pour bailler pays à une loi sous finances en vent longtemps. Lieutenant dans le micro d'Orline Dorival avec Maxo Joseph, l'abdi nous plus. Nous constatons aujourd'hui le retour du budget, en fait, de la loi des finances 17-18 qui est retournée au gouvernement par la Chambre des députés. Et c'est un constat qui nous dérange un peu. Cette situation donne une incertitude à tout le monde. Les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux. Quand il n'y a pas de budget, le gouvernement peut décider de faire n'importe quelle dépense. Donc c'est une sorte de porte ouverte à la corruption. C'est vrai, le budget, en fait, le projet de loi 17-18, nous avons des réserves, mais on pense qu'il faut doter le pays le plus rapidement possible d'un budget 17-18 pour l'exercice en cours. D'ailleurs, ça va avoir une répercussion négative sur le budget 19-20 qui devrait être déjà en processus d'élaboration. Il y a la Banque centrale, la BRH, qui a publié le 23 janvier dans sa note. La BRH a dit on a déjà donné 6 milliards de gouttes de crédit au gouvernement. Donc, ce qui veut dire on enfonce beaucoup plus. L'exercice passé, on a publié ces 24 milliards. Donc, ce qui porte à croire qu'avec les 6 milliards de octobre à décembre, maintenant, si on fait le calcul, quand on va arriver en septembre 2019, ça va dépasser largement les 24 milliards. C'est une situation qui va appauvrir beaucoup plus les ménages, qui va déranger les investisseurs. D'ailleurs, avec la BRH, on a publié les 6 milliards de gouttes qui nous donnent environ 15% d'augmentation de monnaie en circulation. Donc, ce qui veut dire
quand on va sur le marché, quand on va dépenser, les ménages n'ont pas suffisamment d'argent pour voir les deux bouts. Et quand on regarde le dollar encore, ça encore, ça dérange. Pour l'exercice passé, c'est environ 14% que c'est accru. Mais maintenant, pour cette année, alors je parle jusqu'au mois de décembre. Donc, nos recommandations sont claires. Même si les politiciens, le gouvernement, les parlementaires, s'ils ignorent catégoriquement l'importance du cycle budgétaire, et c'est une loi qui est claire, qui est votée depuis 2017, il faut avoir le processus depuis novembre, on est au mois de février. On devait être en élaboration du budget 19-20. Maintenant, on n'a pas encore le budget 17-18. Donc, on craint fort. Donc, c'est pour ça, dans notre recommandation, on dit le plus vite que possible. Non seulement il faut doter le pays du budget 17-18, mais il faut lancer l'élaboration du budget 19-20 et avec un point très important, la participation de la société civile. Nous avons toujours été dans la page économique, là, pour nous faire connaître. Autorité dans la Banque République d'Haïti sorti yon circulaire dans la date 29 janvier 2019 là, pour informer toute banque commerciale. Yo. Décision yo prend pour augmenter pourcentage réserve obligatoire. Circulaire numéro 01-19 là, rivé dans une période côté goudlan pas suspend paix du valeur. En 6 mars a présenté nous yon papier en suivant. Si qui laisse à qui pote si ati gouverne Banque Centrale là, Jean-Baden Dubois, côté autorité monétaire yon informé Banque Commerciale yon, ensemble avec Banque Cap fonctionne dans affaires logement, dans date 4 février sa, quantité l'argent yon gen pour serrer sous dépôt client yon a augmenté. Réserve obligatoire, qui se yon quantité l'argent banque yon doit déposer chaque jour dans Banque Centrale, qui tse en goutte ou soit dollar, d'après si qui l'a, coefficient pour dépôt en goutte yon sorti dans 44%, passe dans 45%, pendant dollar sorti dans 49 aller dans 51%. Devant situation chaque monde a interprété décision ça, gouverneur BRH la pote plus précision. C'est pas de gaieté de cœur parce que nous connaît pertinemment que ça va renchérir le prix du crédit et renchérir le prix du crédit pour le bon prix que le payer pour la croissance. OK? Et c'est pour être c'est pour résoudre ça, on voit que BRH vient avec toute une série de programmes pour croissance. Pour permettre quand même que le crédit au bail mette dans des secteurs productifs. Donc, si bien que, ou t'as plutôt dit que BRH font redirection, ils redirigent le crédit, ils retirent le crédit d'un côté que d'avoir pour l'importation, ils redirigent vers des secteurs productifs. Parce que nous toujours dit nous que BRH, chaque fois que la barre réponse, il va pas seulement une réponse conjoncturelle, il est toujours arrangé pour que la barre réponse structurelle, tout pour ça. Donc, cette histoire de que mon justement dit que. BRH a fait que je vais le convertir et dépôt dollar, c'est du non-sens. Monsieur, loi dit que vous avez deux monnaies, loi dit que vous avez un compte dans tous deux monnaies, ok? Mais c'est-à-dire que comment vous êtes capable d'aller justement, vous êtes capable de virer Marino pour dire que on va faire comme ça. Réserve obligatoire qui c'est en partie dans le dépôt client offert dans la banque commerciale, déposé dans BRH, c'est obligation pour l'autorité monétaire de fixer coefficient dans le cadre politique monétaire à pas appliquer en dedans pays. L'autre point qui a dominé l'actualité, c'est le problème courant. Eh bien, dans ce sens, il y a un ministre Travaux publics, Transport et Communication qui était avec le directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, ensemble avec le directeur Agence nationale régulation secteur énergie, Evanson Calixte, qui rencontrait lundi 4 février député qui sortit dans le département centre à quelques autres députés. Question blackout dans diverses communes dans le département centre là dans la capitale là tenant en mitan discussion yo député circonscription Mirbalais Abel Décolline dit li pas satisfait après rencontre si là Fedner confident avec Moïse Wilbridge dit nous plus. Dans le cadre de cette rencontre au niveau de la Chambre des députés, l'y expliquer, c'est la pluie qui n'est pas tombée, ces problèmes de sédimentation qui gagnent dans lac Péliglan et que ces problèmes gaz, mazout, qui fait gagner rationnement ça.
évidemment, nous, conscients, lorsque la pluie pas tombé, barrage là n'a pas fonctionné à plein régime. Mais ce qu'il faut savoir, même lorsque la pluie pas tombé, barrage Péliglan li produit entre 15 et 18 mégawatts. Donc, nous autres, dans le cadre de rencontre ça, et certains de nous, nous gagnons documentation, nous t'es convenu, les élus du plateau central, pour que nous proposer un protocole d'engagement entre les élus du plateau central et les responsables de l'EDH ainsi qu'au gouvernement. Donc, dans le protocole d'engagement, ça, et c'est ça qui a objet, de recommandation, nous proposer, nous exiger un ensemble de dispositions pour le gouvernement prend, pour EDH prend, pour permettre que rationnement courant électrique, là, ça finit une fois pour toutes dans le plateau central, mais pour permettre tout, de moderniser, réhabiliter réseau, hein, pour permettre que yo mettez des infrastructures, installations qui pour faites, qui pour permettre à partir de réparations qui sont faites dans le barrage, là, yo capable synchroniser centrale là avec sa relais de transformateur, il y aurait les transformateurs de courant qui pour augmenter, qui pour permettre capacité de 10 à 13 mégawatts là, mais transformateurs ça, les ont capacité pour que les permettent distribution en fait convenablement à travers toutes les communes du plateau. Toujours dans le même sujet ça, ministre Travaux Publics, Transport, Communication, Fritz Caillot expliquait. Problème blackout qui gagne dans le département Saint-Lan, pardon, ensemble à quelques régions dans la zone métropolitaine, gagne avec problème de l'eau qui a baissé dans le lac Péliglan. Et le ministre a annoncé quelques mesures qui prend pour résoudre le problème dans la diminution de l'eau dans le lac. Là. Il était dans le micro Fidner confident avec Moïse Wilbridge. Nous gagnons au niveau du plateau central, côté que nous avons problème. Électricité et qui résultait à des manifestations. Et manifestations, ça, elles ont pris des gens qui sont morts dans la zone. Donc, les députés, aussi rôle en tant que pouvoir, ils ont invité le ministère des Travaux publics, puisque le ministère des Travaux publics, c'est licencié sur telle et direction générale de l'EDH, et de même que ANARCE. Nous, on a un problème là, dû à un phénomène d'acadie naturelle. Parce que l'acnant, pour produire courant, il faut gagner de l'eau. Si on a regardé barrage Péliglan, son centrale hydraulique liée. Donc pour produire courant, il faut gagner de l'eau. Et pour gagner de l'eau, il faut gagner la pluie. Et nous constatons ces derniers temps, il y a un problème de pas gagner la pluie. L'ac là, pas alimenté, donc il y a une pénurie. Donc c'est ça qui explique que nous avons tout problème d'électricité. Mais parallèlement, nous avons l'autre problème qui, ça dit problème carburant. Et pour ne pas oublier que Péliglan est interconnecté avec tout réseau thermique que nous avons dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et réseau thermique, là, parfois, là, par exemple, au niveau de Péliglan, un problème. C'est réseau thermique là, qui a alimenté la zone plateau central. Là. Problème courant, ce n'est pas seulement central. Là. Parce que le problème de l'eau a toujours posé, la pluie n'a pas tombé dans tout le pays. Niveau de l'eau baissé, donc capacité que nous avons supposé gagner pour un courant électrique normalement dans tous les 10 départements, donc où est-ce de côté, nous sommes obligés de faire des backups avec de gros génératrices pour nous courant. Donc le problème plateau central là, il est presque identique à même tout problème qu'a posé dans le pays. Nous avons toujours été dans le même sujet, ça, ensemble avec le directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis, et puis directeur général de l'Agence nationale régulation secteur énergie, Evanson Calixte, qui précisait que le système qui a alimenté l'énergie électrique en Haïti méritait pour passer mais là-dedans. Le responsable a annoncé pour porter réponse à ce problème. Ça, il y a un plaisir, ministre solaire, il a mis en campé. Ensuite. Matière première qui pour faire production, hein, c'est de l'eau. Il faut qu'elle soit disponible. Pour y aller, nous avons une période sécheresse. Ça veut dire que l'approvisionnement en de l'eau de la classe n'est pas fait même genre. Deuxièmement, il y a un problème qui est assez grave, un problème de sédimentation. Je partage l'information avec vous.
lac là sédimenté, c'est-à-dire alluvion de la pluie tombée, capacité, volume lac là de rétention diminué. Capacité actuelle de rétention lac là réduit à peine 40-42% de capacité initiale. Et étudiants ont montré que l'alluvion qui a venu, en rythme de 6 millions par année. Donc, il y a un peu de travail pour l'autre ministère de faire. Il y a un peu de travail au niveau légal pour le Parlement garder tout, pour nous préserver l'infrastructure. Ça, que nous avons. Et pour que nous-mêmes nous fassions une gestion durable, bien dit, gestion durable de l'ACLA, nous avons un niveau minimum que nous ne pouvons pas exploiter. Centrale là pour ne pas déstabiliser ces dimanches pour ne pas venir gonfler devant Turbinio. En fonction de ça, il a décidé depuis tantôt janvier que Centrale là marchait un jour sur deux et l'autre marchait deux jours suivis. Des fois, c'est 12 heures de temps que l'exploiter. Il y a une erreur catastrophique dans ces pays depuis les 50 dernières années, c'est parce que nous n'avons pas diversifié la matrice énergétique. Ce n'est pas normal qu'un pays qui a 11 millions d'habitants ait une matrice énergétique, côté 85% de l'énergie consommée dans les affaires courantes, c'est la carte blanche, c'est la carte rouge, c'est-à-dire produit pétrolier. 15% c'est de l'eau. Quand nous avons un gros problème qui arrive, ou pas de l'eau, ou pas de produit pétrolier. Et puis, il y a un bagage courant. C'est ça qu'on dit, peuple. Parce que c'est la vérité. Il y a pas de courant qu'on a. C'est parce que choix de même du courant, pas de choix stratégique, nous devons jouer avec l'eau, avec l'énergie fossile, surtout l'énergie fossile, 85%. On a nous dit que on nous permet pays d'Haïti d'utiliser les ressources. Li. Et une ressource abondante nous gagne, c'est le soleil là. Et ça fait toutes 51 micro-réseaux que nous faire là. Nous mettons dans le dossier d'appel d'offre là, 50% là-dedans, supposé fait avec le soleil là. Donc ça veut dire que si vous avez raté de produits de carburant, au moins nous garantissons une certaine disponibilité de produits ça. Pendant le soleil là, parce que pendant le soleil là, la journée, nous sous soleil là, le soir, nous sous stockage, l'embarquement qu'on passe passer sous groupe diesel. Donc, nous avons besoin de ça en fait, il y a un rapport avec Blackout là, parce que Blackout ça a blagué dans le pays, c'est le fait que nous faisons un mauvais choix stratégique, effectivement. Madame Jean-Benon, page éducatif là, pour nous faire connaître, créole, c'est une matière obligatoire pour Anessa dans le cadre de nouveau secondaire, d'après ministre éducation nationale à formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet. Ministre Cadet a annoncé à partir de l'année 2021, programme nouveau secondaire doit appliquer dans toute l'école en dans le pays. Ministre Pierre-Josué Agénor Cadet a répondu à question collaborateur nous, Jean-Serginho Lindor, dans l'émission Mise au point sous TNH. On suit. Dans 2600 et quelques l'école fondamentale, ça, c'est seulement 40% d'eux qui ont un troisième cycle. Je dis à nous, avons nécessité et nous travaillons pour ça, parce que le président Jovenel parlait de ça, de 15 000 nouvelles salles de classe, et nous commençons nous bien nous là-dedans, pour garder les années passées là, on marché qui est lancé pour 30 nouvelles écoles fondamentales. Je dis à un paquet de lycées qui ont construit là. Parce que il y a des lycées là qui, tant que Marie-Jeanne, des jeunes filles, ils ont démarré la construction là, parce que Bachar a fait lancer, film n'a pas dans rien là, mais non, tout le bagage est fait prêt pour commencer, pour démarrer. Okay. Et tout récemment là, par exemple, regardez, après le lycée Marie-Jeanne, c'est dans l'espace côté ministère. L'aime fait comme ministre, d'ailleurs, l'aime dire que tu as lycée de bonne situation. Il y a quelques lycées qui ont fait fort par eux, personnel, pour un monde qui a une formation. Mm-hmm. Parce que tu as un problème de formation là-bas pour enseigner. Là. Bon, dans l'école qui est tête au nouveau secondaire ou bien secondaire rénové, l'entre dans le ouais, c'est même peuple longtemps que tu as fait dans l'an. L'aime la situation, je me dis, bon, si vraiment m'accepter, me dit que 2019, c'est fin traditionnel là, nous entrons totalement dans le secondaire, il y a des gens qui sont victimes. L'aime ça, je prends une décision avec toute équipe, nous dit que nous avons accordé 2 ans de grâce à toutes les collègues dans le pays pour rattraper dans le secondaire. Parce qu'en 2 ans, nous avons fait première, deuxième année, troisième, quatrième année, mais après 2 ans, ça, toute l'école dans le pays net, c'est nouveau secondaire. Maintenant, si on l'école ou quitte 2 ans fini ou pas de temps rattraper, eh bien, on ne peut pas garder secondaire encore, on ne peut pas garder l'école fondamentale.
l'école va pas le tourner l'école fondamentale et pas l'école secondaire. Maintenant, où ça passe là? L'aime fait quoi décision ça? On est toujours une mauvaise interprétation, confusion dans les décisions. Bon, c'est de l'école qui définit rivé en secondaire 4 qu'on a voulu changer aujourd'hui au traditionnel là. Parce que avec traditionnel là on apprend plus monde. On va bouger classe à plus, mais avec secondaire on ne veut pas capable. Et bien je vous dis à nous clair sous lui. Toute l'école en pays net nous avons un deadline, 2 ans, ok, 10, non, 18, 19, 19, 20, 2 années académiques, ça y est, et bien 20, 21, bac unique, 2 examens, fin d'études fondamentales, fin d'études secondaires. Et puis, dans ce qui est une manifestation élève, lycée Pinchina, Jacques Melio, ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué et Agénor Cadet, et a dénoncé mauvaise foi plisienne en professeur pendant les souligner lycéen gain plus professeur parce que ça t'est doué gagner. Pierre Josué Angénor Cadet mandé directeur départemental là pour prendre bon Jean Mézi pour capable permettre Timounio continuer suivre cours normalement en suivre. Nous gagner lycée Péchina Jacmel même j'ai avec lycée Faustin Soulouk dans Tigouave. C'est deux lycées qui ont une tradition qui a passé plus de 10 ans. Donc chaque année, les lycées sont toujours bouleversés. Maintenant, année ça pendant que là, qui ça m'a comme situation. L'embre ka lycée Pinchina dans Jacmel. Élèves ont dit yo dans la rue parce que justement, yo pa gen enseignant, pa gen professeur qui fait cours pour yo. Et les sam te relé directement directeur départemental là pour me dire prend les mesures qu'il faut. Pour qui ça? Son lycée Pinchina Jacmel là, qui gagne plus passé 40 professeurs en plus là-dedans. Plus passé 40 professeurs en plus là-dedans. Son lycée a besoin pour fonctionner normalement 81 professeurs. Ah bon? Et je dis à la parole là, il gagne là-dedans 126 professeurs. Et d'après toute information que me joigne, gagne environ 5 nanyo qui gen lèt nan men yo qui pou ko touche. Et d'après dernière information nous venons tout dossier en cours dans ministère des finances pour toucher parce que là on parle de paiement va dépendre du ministère éducation nationale. Il a seulement pour l'adresser dossier. Or nous pas ka comprendre comment nos lycées mdou qui gen plus passé 40 professeurs en plus et c'est pas jodi a gen yo et c'est ça que fait demander directeur départemental là pour prendre des mesures pour capable éparpiller mon capricio dans l'autre ici. Et c'est même situation tout pour lycée Tigouave. Mais Pinchina évolution cadet si il y a tout problème tout évolution ça tu me dis pas qu'à une coup qui côté pour mais c'est ça donc c'est son problème de leadership son problème de gouvernance et comme moi-même en tant que ministre c'est pas moi qui l'adresser dans chaque département yo gagne un directeur départemental. Si on lycée par exemple si c'est équipe administrative là qui pas gain gouvernance qui pas gain leadership que au changer au moins même qu'est-ce qui a changé c'est où non directeur départemental là c'est lui même qui là qui pour faire c'est lui même qui oh directeur départemental c'est représenter ministre dans zone non c'est représenter ministre donc moi même là me joindre rapport yo OK donc au dernier moment par exemple on directeur départemental et c'est ça que mettre nous là dans ça nous là il pas autorité nominative ou qu'on joindre par exemple dans cap jeune là ou joindre des monde qui directeur l'école mon inspecteur, mon directeur départemental, il nomme mon toute nomination ça est nulle et non avenue parce que autorité nominative dans cadre éducation nationale c'est ministre dans l'élégant délégation qui est capable de nommer mon ou bien ministre nommer mon l'approuvé par premier ministre les ministres par délégation. OK donc c'est comme ça situation mais à la fin de la journée ben la vient tomber sous dos parce que au fait dans tête de Timounio ministre pour prendre responsabilité c'est ça demander parce que yo prend l'examen professeur va venir faire cours Timounio obligé à prendre la rue et ben c'est ça me donc ça pas un problème ministre qui sont pour comme disposition non nous t'ai fait plusieurs rencontres avec directeur départemental là qui t'ai rencontré eux même tout et même quoi directeur départemental là c'est un ancien professeur dans lycée Pinchina par exemple ou gagne un président commission éducation dans chambre députée qui tel Jean-Philippe qui toujours aidé nous dans situation ça tout li professeur philosophie en dans lycée Pinchina et Sam Abdoulal connaît le tout comme réalité côté gain son lycée qui gagne eh bien on paquet de professeurs en plus que ça doit gagner donc là autant de Timoun Abdou m'croyo de gagne environ 5 pour toucher qui gagne le temps pour toucher et qui en cours
Donc même on pas comprendre par exemple si ou non ou non l'école gagner 80 90 95% enseignants qui a touché donc on pas comprendre qu'il y a pour élève dire par exemple pour professeur qui a touché l'argent l'état ça sont l'autre forme de criminel donc c'est depuis nous parler tout nous dit tapé de l'ordre et bien dans des ordres qui dégagent dans le système là parce que tu qu'on dérive et jodi a n'a prend temps pour nous corriger mais n'a corriger quand même. Dans page 101, dans l'occasion journée mondiale cancer, là, promotion finissant médecin 2014-2020 dans l'université Kiskeya, mettez bout lundi 4 février à 3 journées d'information ont été réalisées sous thème cancer, pas mystère, on nous prend bonnet. Participants ont salué l'initiative SILA. N'a invité nous suivions compte rendu avec Midrey Milias et puis Hervé Pierre. Trois jours d'information ça réalisé dans l'idée pour informer population en sous dégâts maladie cancer a fait dans monde là. Étudiants finissant dans faculté médecine promotion 2014-2020 mette accent surtout sur cancer colmatrice la caille dame. Je dis à ces journées mondiale cancer. C'est pas seulement pour cancer colmatrice, c'est nous-mêmes nous commémorer journée c'est pour type cancer qui est plus fréquent aussi tout ça nous joindre dans pays. Donc c'est ça qui fait depuis hier, ça fait 3 jours pour me bien dire côté que nous fait formation et hier nous fait une sensibilisation dans tout quartier qui entoure campus université noire côté que nous allons plus près mon pour nous sensibiliser et inviter à venir jodi à venir prendre formation et vin apprendre comment on fait prévention de cancer. Jodi a nan journée nous t'ai parlé de cancer matrice, colmatrice, nous parlé de cancer nan tété, nous parlé de cancer nan poumon. OK, nous parlé de cancer prostate. Donc si on maladie tout le monde met nan tête depuis au gain, il y a mouri. Alors que si vous fait un dépistage bonheur qui ca permet ou faire un traitement bien rapide, il pas sûr peut être ça. Initiative ça doit permettre population haïtienne bien comprendre réalité qui gagne dans maladie cancer d'après docteur Loria Kasayol major étudiant dans faculté médecine université Kiskeya information yo capable de freiner quantité moun k'ap mouri dans maladie cancer. Cancer colmatrice son bagay qui affecte en pile fi gan pile facteur de risque. Premier facteur là c'est le jeune ti fi entre dans rapport sexuel trop bonheur. Gain c'est mac d'hygiène mais principal facteur là c'est HPV. HPV c'est human papilloma virus. C'est un virus lié que on prend dans fait bagay mais que yo réalisé que préservatif pas ca protéger vraiment contre virus ça. Donc plus gros facteur c'est HPV c'est fait bagay bonheur avec plusieurs partenaires et puis signe classique pour monde qui gain cancer col, ca gain saignement, il ca gain douleur, il quand même gain mauvaise odeur tout. Donc son bagay qui tuer monde tout. Pas rentrer dans relation sexuelle avant l'heure, éviter gain plusieurs partenaires sexuels, pas changer partenaire souvent, toujours québécois propre et puis fait pap test chaque année. Fait partie toute une série prévention yon femme capable faire pour pas arriver dans phase cancer colmatrice d'après étudiant yo dans faculté médecine université Kiskeya. Merci Midrey ak Hervé. Rapidement on a jambé dans actualité sous plan international pour nous faire connaître ultimatum 7 pays européens yo te bay Nicolas Maduro arrivé nan boutli. Pays européens ont demandé organisation élection présidentielle avant le président américain Donald Trump côté pal fait connait li compte voyer aide humanitaire pour répondre à appel aide opposition en suivant ensemble. Ultimatum la France ak 6 l'autre pays européens rivé nan boutli. Président américain Donald Trump côté pal réaffirmé volonté pour voyer l'armée dans pays Venezuela. Nicolas Maduro bon côté parle bay yon mise en garde. 7 pays européens yon mandé organisation élection présidentielle avan lè et puis décision ça té doit annoncer avant dimanche soir sinon y a reconnaître Juan Guaido comme président légitime Venezuela. États-Unis fait connait li konté voye aide humanitaire pour répondre à appel aide opposition. Nicolas Maduro refusé aide ça d'après li ki c'est un prétexte pour couvrir une intervention militaire américaine. Et puis, nous disons dans le grand titre, bureau enquête britannique sous accident aérien a déclaré dimanche 3 février. Il a joué un avion qui était disparu, qui a transporté footballeur argentin Emiliano Sala, pilote David Ibbotson.
Porte-parole bureau en fait déclaration ça alors que recherche sous-marin et automain dimanche 3 janvier pour joindre avion ça qui était disparaît dans système radar yo 21 janvier passé à pendant le tap volé sous département français la Manche à une vingtaine kilomètres dans nord Guernsey. Porte-parole bureau enquête britannique l'ont pas précisé qui côté à qui le appareil l'ont localisé. David Mearns, dirigeant société Blue Water Recoveries, famille footballeur a été mandaté pour mener une recherche sous-marin, déclaré sous Twitter, il a été localisé et pavlan dimanche 3 février en bonnet dans matin, un titan après recherche. Emiliano Sala qui gagne 28 l'année à David Ibbotson qui gagne 59 l'année, té quitté Nantes dans ouest la France, il est après le Cardiff dans pays Galles. Premier ministre Jean-Henri Séan rencontré plusieurs acteurs dans le système judiciaire dans le cadre d'une visite qu'il fait lundi 4 février dans le palais de justice Port-au-Prince. Dans la même journée, chef gouvernement Chita Palé avec membre conseil électoral provisoire dans le local KEPA dans perspective élection octobre 2019. Yo. Bureau monétisation programme aide à développement en tête collée à direction départementale nord-est travaux publics et puis ministère défense lancé travail construction tronçon route Montbin Crochu Valière travail ça a duré 6 mois rentré dans cadre caravane changement travail construction barrage Marion a continué une délégation qui gagne là dans le directeur général plusieurs institutions visiter construction barrage là pour garder état avancement travail yo. Agence nationale air protégé ANAP lancé lundi 4 février une semaine atelier réflexion dans Pétionville pour renforcer capacité institution et puis monter une série plan stratégique sur ensemble action ANAP doit poser pendant 5 prochaines années. Il y a un groupe député qui sorti dans le département Centre, en Chita Palé, ministre travaux publics, transport, communication, directeur général électricité d'Haïti et puis directeur agence nationale régulation secteur énergie. Diminution de l'eau dans le lac qui alimentait barrage Péliglan, t'as la cause problème production courant d'après ministre travaux publics, transport, communication, Fritz Kayo. À l'étranger, bureau enquête britannique sur accident aérien en juin dimanche 3 février. Avion qui a transporté footballeur argentin Emiliano Sala et pilote li David Ibbotson qui était disparaît dans le système radar 21 janvier qui s'est passé. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal pour semaine ça en présentation, c'était Linela qui était avec nous. N'a remercier toute équipe là, salle des nouvelles là, mise en onde là, régie qui t'est mobilisé pour te arriver ni possible et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine et une très bonne soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.